20h45, heure Alger. Madame, monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. Le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire algérienne, a pris part ce mardi en visio à la 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. À cette occasion, Saïd Chengreha a fait un point sur l'approche algérienne quant à la sécurité dans la région. L'Algérie est convaincue qu'il est temps pour la communauté internationale de prendre conscience de l'importance de la préservation de la sécurité internationale à travers la prise en charge sérieuse des causes génératrices de crises qui alimentent l'instabilité ainsi que l'insécurité internationale et régionale. Cela passe obligatoirement par le respect de la légalité internationale ainsi que l'apport de l'aide et du soutien nécessaires aux pays africains pour leur permettre de développer eux-mêmes des solutions inclusives et de prendre en charge les problèmes du continent de manière souveraine et loin de toute ingérence étrangère ou de tentative de déstabilisation. De son côté, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a échangé un appel téléphonique avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué la situation au Niger. À cette occasion, le président russe réitère la position russe, à savoir le règlement pacifique de la crise. Les deux présidents ont en outre prêté lors de leur échange une attention soutenue à la situation au Sahel de façon globale, avant de passer en revue les relations bilatérales qui lient les deux pays. Les chefs des états-majors de la CDAO se réuniront en fin de cette semaine à Accra, capitale du Ghana. C'est ce que nous avons appris ce mardi via différentes agences. Les chefs des armées ouest-africains auront donc jeudi et vendredi 17 août et 18 août une réunion pour envisager les détails techniques relatifs à une éventuelle intervention militaire visant à rétablir l'ordre démocratique au Niger, a déclaré mardi un des porte-parole du Globe régional. Pour rappel, cette réunion était initialement prévue en début de semaine avant report. À noter également que la communauté internationale n'est pas d'accord avec cette intervention. Dans le dossier nigérien toujours, les Nations Unies qui réagissent aux déclarations faites par les militaires du CNSP, auteurs du coup d'État qui secoue le pays depuis le 26 juillet dernier. Le CNSP a fait part de son intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Par la voix de son porte-parole, l'ONU se dit très inquiète quant à de telles affirmations. C'est évidemment une déclaration très inquiétante. Nous restons extrêmement préoccupés par l'état de santé, la santé et la sécurité du président et de sa famille. Et encore une fois, nous demandons sa libération immédiate et sans condition et sa réintégration en tant que chef de l'État, bien sûr. Le porte-parole adjoint du secrétaire d'État américain s'est également exprimé sur cette nouvelle et indique l'inquiétude de Washington. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes incroyablement consternés par les informations selon lesquelles la détention injuste du président Bazoum a pris fin et est même allée plus loin. Maintenant que le CNSP menace de poursuite, cette action est totalement injustifiée, franchement. Elle ne contribuera pas à une résolution pacifique de cette crise. C'est un affront supplémentaire, à notre avis, à la démocratie et à la justice et au respect de l'état de droit. En Libye, la tension est à son comble. Tripoli, capitale du pays, connaît depuis la nuit dernière des affrontements armés opposant la 444e brigade et les forces spéciales de dissuasion. Lundi, la force spéciale de dissuasion a arrêté le commandant de la 444e brigade, Mahmoud Hamza, alors qu'il tentait de voyager, ce qui a mis le feu aux poudres, créant une situation d'escalade des violences dans différents quartiers de la ville. Un bilan provisoire faisant état de plusieurs blessés. Les informations sur les éventuelles victimes restent pour le moment invérifiables.
Et dans ce contexte, le chef de la mission onusienne en Libye, Abdoulaye Bathily, a immédiatement exprimé son inquiétude quant à cette nouvelle escalade à Tripoli, en appelant les parties opposées à se soucier avant tout de la vie et de la santé des civils. Dans un tweet publié mardi sur son compte officiel, Bathily a affirmé que cette situation est un rappel de plus sur la nécessité d'arriver à un accord politique pavant la voie des élections et à l'unification des institutions libyennes. Depuis lundi, des pourparlers sont engagés à Addis Abeba avec pour objectif amorcer des pourparlers entre les civils ayant signé l'accord cadre tente encore une fois d'instaurer un dialogue pacifique afin de parvenir à l'arrêt des hostilités au Soudan et à la cessation des combats qui font rage dans le pays depuis plus de 4 mois entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les Nations Unies estiment que la situation au Soudan échappait à tout contrôle. Plus d'un million de personnes auraient traversé le Soudan vers les pays voisins depuis le début du conflit armé entre l'armée soudanaise donc et les forces de soutien rapide, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Et près de 3,4 millions de personnes sont, elles, déplacées internes selon l'OIM toujours. Et d'autres chiffres plus alarmants et plus effrayants. 14 millions d'enfants feraient face à des besoins urgents en matière d'aide humanitaire, selon le commissaire onusien Leila Guertal avec les détails. Le Soudan au bord du précipice depuis le déclenchement des combats entre les deux hommes puissants du Soudan. Selon le HCR, qui a publié ses derniers chiffres, il serait 6 millions de personnes à être au bord de la famine. L'envoyé onusien du HCR parle de 14 millions d'enfants nécessitant une aide humanitaire en urgence avant d'appeler les deux parties belligérantes à la cessation immédiate des hostilités. La communauté internationale doit mettre un terme au combat au Soudan, dira le représentant du HCR, une alerte qu'il faut absolument prendre au sérieux. La situation alarmante que subit la population soudanaise, que les combats ont transformé en réfugiés et en déplacés, risque d'atteindre des niveaux records, augmentant ainsi la détresse d'une population qui vivait déjà par le passé dans la précarité. Ce n'est pas la première fois que l'ONU tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à faire pression sur les belligérants pour permettre à la population de souffler. Déjà un mois seulement après les combats, l'alerte d'une crise humanitaire a été de suite lancée sans que cela n'aboutisse à une réelle trêve, vu que toutes les trêves demandées pour installer des couloirs humanitaires n'ont pu être respectées par les deux parties. Ceci en rappelant que plus de la moitié des Soudanais dépendent de l'aide humanitaire, il n'y a pas d'éducation, les hôpitaux sont carrément fermés et la situation sanitaire est tout aussi désastreuse. Les vautours rôdent au Soudan et attendent que leur proie tombe. La 11e édition de l'Université d'été du Front Polisario a clôturé ses travaux lundi en Algérie avec la participation du président sahraoui Brahim Ghali. Ce dernier a remercié l'Algérie, peuple et gouvernement réunis pour tous leurs efforts afin de faire de cet événement une réussite. Le président sahraoui a en outre affirmé que l'occupant marocain et ses alliances avec les puissances coloniales menacent la sécurité et la paix de toute la région. Ghali a par ailleurs appelé le prochain gouvernement espagnol à reconsidérer sa position vis-à-vis de la question sahraoui après la volte-face historique dans ce dossier du gouvernement sortant de Pedro Sanchez. Selon le ministre marocain de l'Intérieur, pas moins de 159 autorisations d'exploitation de cannabis ont été accordées depuis la législation de cette activité en 2021. Des chiffres qui font écho aux largesses accordées par Rabat quant à la promotion du trafic de drogue, ainsi que les filières criminelles qui inondent la région du Sahel de toutes sortes de drogues et de psychotropes. Un trafic qui menace la stabilité et la paix de toute la région subsaharienne. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures info. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée.